pourquoi seulement moi. Voilà le pourquoi il m'a aimé par sa grâce. Oh, il m'a élu dans son amour. Nous sommes dans sa maison. Nous sommes dans la maison de notre Père. Il y a des dons parmi nous. Il y a de belles voix. C'est nous qui devons chanter. Les chrétiens sont les personnes indiquées pour chanter le Seigneur. Pour être dans l'atmosphère spirituelle. Ma sœur, vous êtes en train de préparer, vous êtes en train de faire quelque chose à la maison. Un cantique sur votre cœur. Vous êtes en train de travailler à Cargill. Un cantique sur votre cœur. Vous ne voyez, vous ne verrez pas le temps. Vous n'allez même plus sentir la douleur du travail. Vous n'allez plus sentir un fardeau sur vous. Ayez un cantique sur votre cœur. Ayez le nom le plus doux dans la langue d'un immortel. Nous sommes des immortels. Amen. Parce que c'est Christ qui est en nous. Amen. Il est en train de construire son tabernacle à chaque personne. Amen. Qui a la semence de Dieu qui doit me manifester dans ce temps. Amen. Mon frère, n'importe quel problème pour lequel vous trouvez que c'est une impossibilité d'avoir une solution, le grand maître, le Seigneur des Seigneurs, il doit être là dans votre cœur, il vous accompagnera sur votre champ, amen. Il vous accompagnera au travail, il vous accompagnera dans votre voiture, en tout lieu que foulera la plante de votre pied, vous ne serez plus jamais seul. Amen. Vous avez pris la décision de suivre le Seigneur Jésus, vous avez abandonné le monde et tout ce que le monde peut offrir, un cadeau empoisonné, vous avez opté pour le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu véritable, ce Dieu-là, il a quitté le ciel. Là où il est dans la gloire de l'éternité, il est descendu plus bas sur la terre. Parce qu'il t'a aimé, il t'a connu. Amen. Parce qu'il savait qu'il serait dans votre cœur. Amen. Donnez-lui beaucoup de place. Mourez dans ce monde. Mourez au calvaire. Donnez votre vie au Seigneur. Vous verrez ce que le Seigneur fera avec vous. Vous verrez le Seigneur nous aime. Voilà cet après-midi, il nous a appelé. Chacun s'est là où il était dans sa maison. Il ne pouvait pas être tranquille tant qu'il n'est pas encore arrivé à ses lieux. Alléluia. Amen. Parce que nous avons un rendez-vous solennel avec le Seigneur des Seigneurs. Le grand Dieu, son nom c'est le Seigneur Jésus. Amen. Il va multiplier les dons parmi ses enfants. Nous ne sommes que des brebis du Seigneur. Lui, c'est le grand berger. Amen. Il va donner aux frères des dons. Vous avez des dons. Il va donner dans vos sœurs des dons. Vous avez des dons. Vous êtes des servantes du Seigneur. À la seule différence, vous ne viendrez pas devant la chair avec une Bible pour prêcher l'évangile. Mais vous prêcherez aux jeunes couples comment vivre en famille. Vous prêcherez à nos filles, à nos enfants comment entrer dans les mariages. Comment nos enfants doivent garder leur virginité. Frère, comment vous devez conduire le peuple de Dieu par votre vie? Fouillez le monde, vous avez toujours les amis du monde. Qu'est-ce que vous gagnez en cela? Dieu vous interpelle, Dieu a besoin de vous, parce que vous avez les dons en vous, vous devez servir le Seigneur. Soyez à côté de vos frères, quand vous allez vers le monde, apportez la bonne nouvelle, apportez le message du temps de la fin. On verra quelqu'un qui venait pas à l'église. Après un temps, il vient à l'église. Mais quelques temps, on verra que la personne commence à changer. Soyez en contact avec le Seigneur Jésus. Quand vous venez, ne vous arrêtez pas simplement à rencontrer votre frère, à rencontrer votre sœur, vous vous limitez, ou à rencontrer seulement les pasteurs, vous vous limitez. Allez au-delà du pasteur. Rencontrez le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Rencontrez le Seigneur lui-même, Jésus-Christ. Amen. Changer. C'est lui qui apportera la nouvelle vie. Pierre a dit, l'apôtre Pierre a écrit, l'ordonnance qu'il avait écrite, cette ordonnance est en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Quand nous répétons seulement dans Actes des Apôtres des 38, l'apôtre Pierre disait, quand il disait à ce temps-là, cela ne concernait pas seulement les temps dans les
l'église. Cela concernait aussi nous qui sommes dans la Odyssée. Nous qui sommes maintenant l'épouse de Jésus, qui est en train de sortir de la Odyssée. Nous sommes en train de sortir par ce glorieux message. Dieu est en train de nous mettre à part pour son service divin. Un jour, le monde va trembler parce que les aiglons sont en train de partir. Il y a une parole qui est en train de nous préparer pour nous changer. Cette parole a toute la puissance de Dieu. Ce n'est pas une église du monde. Ce n'est pas une église dénominationnelle, mais une église de Malachi 4. Voilà Jésus. Malachi 4 a donné. L'Esprit de Dieu est descendu. Alléluia. C'est pour préparer les enfants de Dieu. Vous ne venez pas au hasard, bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Mais c'est cette chose qui est en nous. Quand le Seigneur nous contacte, c'est lui notre attraction. Nous n'avons qu'un seul leader, c'est le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Nous avons pris position pour le Seigneur Jésus. Amen. Et nous devons montrer cela à la face du monde. Le monde doit savoir que vous êtes chrétien. Le monde doit savoir que vous êtes une chrétienne. Votre parler, votre attitude envers l'église de Dieu vivant, votre attitude envers les frères, votre attitude envers les sœurs, nous ne serons plus jamais indifférents. Ne soyez pas indifférents aux choses de Dieu. Ne soyez pas indifférents au royaume céleste. Il a plu au Père, petit troupeau, que le Père nous a donné le royaume. Sans effort de quelqu'un, sans payer même un centime, même un cent, mais tout simplement les petits efforts que nous pouvons conjuguer les uns les autres, être dans l'unité, avec amour sincère, quand nos péchés sont repentis, quand nous avons mis notre vie en ordre. Vous ne pouvez pas venir au Seigneur et rester les mêmes tous les jours. Mais Dieu a la capacité de vous changer les fils que pendant un jour. Amen. Moi, j'ai mis la biographie du prophète un jour. Des larmes ont commencé à couler à mes yeux. Et c'était la première étape de ma conversion. Ce n'était même pas un pasteur qui m'avait encore prêché. Mais nous étions avec un bien-aimé. Quand nous avons lu cela pour la première fois, j'ai fui le monde. J'étais dans le monde comme tous les païens. J'ai fui mes copines. J'étais un grand joueur. J'ai cessé de jouer le football. J'ai allé de gauche avec le départ. Je n'allais plus parce que j'ai rencontré celui qu'on ne pouvait pas rencontrer dans les morts. Amen. Mais il est descendu dans mon âme. Le Seigneur Jésus est vivant. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus va rencontrer chaque personne. Ce n'est pas seulement à moi. Ce n'était pas seulement à Pierre ou à Étienne ou à Moïse ou à José ou à Caleb. Amen. Ou aux autres frères, mais à nous autres, mes soeurs bien-aimés, mes frères bien-aimés, sachez-les. Ce n'est pas moi qui vous appelle non plus. Je ne suis que votre frère. Mais celui qui nous appelle tous, il prendra soin de chaque personne. Amen. Celui qui nous appelle, il sait la chose qui est dans votre cœur. Laissez cela à Dieu. Dieu va le faire. Dieu va élever la foi. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Amen. Ayez le temps d'écouter la parole de Dieu. Vous avez la première chose à faire dans votre vie, c'est la parole du Seigneur. Placez la parole de Dieu en première position. Prenez Dieu au mot. Ce n'est pas au hasard. Quand Jacob a pris toute la nuit, il a cherché à faire la guerre contre Dieu. Mais pas une guerre dans ce sens-là, jamais. Mais il voulait dire que Seigneur, je ne te quitterai pas tant que tu ne m'as pas encore béni. Amen. Il a pris Dieu au mot. À la veille du matin, Dieu l'avait béni. Et son nom était devenu l'Israël. Alléluia. Amen. Épouse de Jésus, nous sommes l'Israël spirituel. Gloire à Jésus. Toutes les promesses de Dieu concernent son église dans cette église. Mais cette église dont on parlait, le prophète Daniel voulait être dans les derniers jours pour voir l'église épouse du dernier jour. Dieu lui a dit, toutes ces paroles que tu as vues, que Dieu n'entend entendre, ces paroles, ça ne vous concerne pas. Daniel pleurait les joies. Daniel voulait être à ce jour pour vous voir, vous, l'épouse parole du dernier jour. Oh. Mais Dieu lui a dit, ce n'est pas à toi, Daniel. Ces paroles sont pour les gens du message du Amen. Temps de la fin. Les gens qui écouteront les prophètes de Dieu, il y aura le parrain. Les gens qui n'auront plus
avons pris un peu de temps pour parler des conflits entre Dieu et Satan. Mais pourquoi y a-t-il conflit? C'est parce que les chrétiens, ils sont chrétiens de nom. Ils vivent comme les démons dans le monde. Ils vivent, ils sont attirés plus à vivre le monde. Mais nous sommes en train de prêcher la bonne nouvelle pour avertir aux enfants de Dieu pour qu'ils reviennent dans le sang de l'agneau immolé. Parce que bientôt, il y a un jugement de Dieu qui tombera. Amen. La parole de Dieu ne faillira jamais. C'était au temps de Noé. Les gens n'ont pas cru au Noé. Ils ont donné tous les noms qu'ils pouvaient donner à Noé. Noé a eu la révélation des conflits lâches de Dieu. L'Éternel s'est révélé à Noé par les messages des temps de Noé. Noé avait prêché 120 ans. Il y a eu seulement 8 et lui. 8 personnes qui ont cru à cet évangile de Noé. Noé était un vieux, un chevronné à la matière. Il avait la parole de son jour. Mais la science était là. Il y avait des églises. Il y avait des gens qui avaient aussi des dons. Il y avait des gens qui avaient de l'argent, beaucoup plus de choses sur la terre. Mais ils avaient négligé la parole de Dieu. Ils ne voulaient pas de Dieu. Le Seigneur envoie sa parole à un prophète qu'il avait suscité parmi les enfants de Dieu. La parole de Dieu vient au prophète. Amen. Un prophète, il prend la place de Dieu. Il vient avec l'insigne de l'Éternel, avec l'insigne dit le Seigneur. Les paroles qu'il prononce, ce ne sont pas ses paroles. Ce sont les paroles qui viennent de très haut, des dieux du ciel qui les adonnent. Il a dit à Moïse, va vers Pharaon. Mes enfants sont traînés là-bas depuis plus de 400 ans dans la captivité. Je mets à toi, Moïse, mes paroles. Quand il prononcera ces paroles doivent s'accomplir. Qui pouvait aller devant le grand Pharaon? Pharaon, c'était un roi. Il était puissant à l'époque. Personne ne pouvait faire la guerre à Pharaon. Ce n'est que Dieu lui-même qui est descendu. Il a ressuscité Moïse. Il lui a donné la verge et le bâton. Va devant Pharaon pour libérer mon peuple hébreu. Alléluia. Amen. Quand Dieu appelle quelqu'un, il va lui doter des capacités. Dieu lui donne la parole appropriée pour que l'homme qui est appelé par sa commission va faire le travail du Seigneur. Certainement, l'ennemi viendra mettre les embûches. L'ennemi viendra pour mettre des barrières. Il ne saura pas se tenir. Mais ce n'est pas l'homme. C'est Dieu à travers cet homme-là. Amen. On pouvait voir Moïse. Moïse pouvait changer de l'eau dans les paraissants. Moïse créait même les mouches en Égypte. Moïse a permis que chaque enfant du peuple égyptien devait mourir. Raison pour laquelle l'ange est venu pour placer le sang sur les linteaux de chaque porte du peuple hébreu. Quand je vois le sang, quand je vois le sang, quand je vois le sang, je passerai par-dessus. C'était les signes. C'était aujourd'hui, nous appelons les sangs. Les signes là, c'est le Saint-Esprit. Quand Dieu a mis les sangs sur votre cœur pour lui, quand il vous a scellé, même Satan, même Lucifer, même n'importe qui, il ne vous fera rien. Croyez que vous marchez avec l'ange de l'Éternel, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous accompagne sur notre chemin. Nous ne sommes pas seuls. L'ange de l'Éternel se tient à côté de chaque aiglon. Quand vous êtes branché en Jésus, vous êtes connecté au Seigneur, vous vous nourrissez de la manne céleste. Dieu vous donne un nouveau corps. Dieu vous donnera un cœur capable d'accepter l'Évangile. Le monde trouvera que le message est dur. Le monde trouvera que le message est difficile. Mais les enfants de Dieu ont la joie de venir écouter le message. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont la sémence de discorde à eux. Nous avons la sémence authentique. Amen. Nous avons la sémence originale. Nous avons la sémence de Dieu. Parce que nous sommes une partie de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Prenez dans Matthieu 13. Alléluia. Oh, c'est merveilleux.
Nous allons lire l'écriture que nous avons lue le dimanche passé. Nous lisons dans Matthieu 13 à partir du verset 24. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous lisons dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 13, à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, livret parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, as-tu pas semé une bonne semence dans son champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Inclinons nos têtes, nous allons dire un mot de remerciement, Seigneur. Précieux Père Céleste, bienveillant Seigneur de gloire, nous voici à notre poste de devoir, nous tenons Seigneur devant ta face bénie. Tes enfants ont accouru pour venir dans ta maison, la maison de correction, la maison d'amour. Dieu, laisse que ces écritures que nous venons de lire, que tu puisses bénir cela dans nos âmes. Donne à chacun de nous l'entendement spirituel, ô Dieu. Ouais-moi, Père, pendant que je vais parler à ton peuple. Écarte, Seigneur, moi sur le chemin. Utilise-moi comme un micro, ô Dieu. Parle parce que nous sommes dans les besoins. Nous avons une fin, nous voulons nous attendre à toi. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Seigneur, parle-nous. Pourquoi il y a un conflit entre Dieu et Satan? Pourquoi il y a la sémence de discorde parmi tant d'autres personnes? Nous avons fui le monde, Seigneur. Nous voici, nous avons trouvé refuge dans le sang de l'agneau. Toi, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, nous voici devant toi, Seigneur, dans ta maison. Purifie nos cœurs, nos pensées. Oh Dieu, descends, parle à chaque frère et chaque sœur. Quand nous sortirons de ta maison, Père, toutes tes paroles, Seigneur, envoie le glorieux Saint-Esprit, le véritable enseignant, nous enseigner de quelle manière, Seigneur, nous devons vivre la vie chrétienne, de quelle manière nous devons fuir la mondanité et les morts pour, Seigneur, trouver grâce devant toi. Tu es notre grâce, Seigneur. Tu es notre bonheur, mon Dieu, mon roi. Tu es ma joie et la joie de mes frères et mes sœurs. Ensemble dans l'unité et l'amour, nous voulons nous attendre à toi, oh Dieu. Seigneur, brise nos cœurs. Brise-nous encore cet après-midi. Seigneur, que le monde puisse nous quitter. Et à Seigneur Jésus, extirpe le monde et les choses du monde, oh Dieu, que nous puissions mourir cet après-midi. Nous voulons mourir, Seigneur, aujourd'hui. Nous voulons prendre une décision, Seigneur, afin de nous approcher de toi tous les temps et que nous puissions consacrer nos vies, les restes de nos vies, de nos frères, de nos sœurs, même ceux qui sont loin de nous, ceux qui pourraient écouter, avoir le temps d'écouter de celui qui est sincèrement. Laisse que, Seigneur, la gloire, l'honneur te revienne. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te donnons toutes les places qu'il faudra faire. Nous nous abandonnons à toi, ô Dieu. Gloire et louange, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci de nous avoir encore rassemblés cet après-midi. Quel privilège pour nous, Seigneur, d'être dans ta maison. Nous ne méritons pas, Seigneur. Laisse que toi-même tu fais le travail. Fasse le travail, Père, car tu es bon pour chaque personne qui te reçoit dans le cœur. Donne-nous encore la foi. Seigneur, sois béni.
Seigneur, bénis ces écritures que nous venons de lire. Bénis ta parole du début jusqu'à la fin. Prends les contrôles de la salle. Seigneur, envoie le Saint-Esprit se mouvoir et prends des places dans chaque cœur. Seigneur Jésus, alléluia. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom, nos démons. Bénis nos enfants. Bénis-les sur le chemin de l'école. Protège-les, donne-les la sagesse et l'intelligence. Fais grandir nos enfants dans la parole de Dieu. Seigneur, envoie ton ange. Seigneur, prends de soin de nos enfants, quel que soit les lieux, quel que soit l'endroit, quel que soit, Seigneur, la place, de nos frères, même qui ne sont pas avec nous, de nos sœurs, même qui ne sont pas avec nous, au-delà de tout ce que nous pouvons penser, Seigneur, tu es Dieu, nous t'aimons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et... oh, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous sommes en train de nous étaler sur un enseignement que nous avions commencé il y a de cela presque un mois. Le conflit qu'il y a entre Dieu et Satan, nous avions parlé de cela, nous avions lui-même les prophètes de Dieu sur quelques prédications sur lesquelles, oui, il parle comment dans ce monde aujourd'hui, les chrétiens qui ont la Bible, les chrétiens qui ont des brochures, qui ont l'internet à leur portée, qui ont les documents et l'entrée avec la parole de Dieu, négligent cela. Le prophète dit, frère madame, dit ceci, vous pouvez aller à l'école, vous apprendrez, c'est pour l'instruction, c'est pour avoir un travail, demain pour avoir une bonne condition de vie, mais vous ne serez pas satisfait. Nous allons au travail, on travaille tous les jours, on nous paye. Mais nous avons beaucoup plus de problèmes auxquels nous n'avons pas de solution. Et surtout ici en Amérique, où il y a beaucoup de bills que nous avons, des bills depuis dans cette période, où il fait tellement froid, les bills de courant arrivent même, vous touchez la tête, vous n'arrivez pas à répondre. Au-delà des moyens que vous pouvez avoir, on n'est pas satisfait. Mais vous allez au marché, il y a même, on vit même en dette. Il y a certaines dettes qu'on doit payer pendant que, pour les mois, les semaines qui sont devant de nous. Frères, sœurs, dans ce monde-ci, nous n'aurons pas la satisfaction. Nous ne serons pas aimés en dehors de l'évangile. Vous voulez être aimés, cherchez la face du Seigneur Jésus. Jésus devienne votre ami, que le Seigneur devienne votre compagnon de vie, que le Seigneur se révèle en vous. Vous ne serez jamais satisfait dans ce monde. Vous avez une nouvelle voiture, 3 mois après, vous regardez, vous voyez encore une autre voiture. Oh, je voudrais avoir celle-là, je voudrais avoir cette Jeep-là, je voudrais avoir cette des voitures, des voitures, des voitures. Mais pourquoi cela? La convoitise, c'est parce qu'on n'est pas satisfait. Le cœur ne sera pas satisfait dans le monde. Notre cœur est satisfait, c'est dans la parole de Dieu. Amen. C'est dans la parole de Dieu que vous avez la révélation de vivre avec Jésus. Amen. C'est dans la parole de Dieu que vous avez les acquis de la vie éternelle. Dieu nous a donné gracieusement les saluts de la vie éternelle. La parole de Dieu de ces jours, cette parole a été restaurée par la puissance de Dieu dans son Église. Il y a la démonstration de l'Esprit. Dieu va vous équiper. Vous n'aurez plus honte. Vous pouvez sortir ici dehors. Pendant que les voitures passent à des gens, vous vous tenez là-bas, vous levez vos mains, vous priez. Mais on vous trouvera fou. On vous dira, mais vous êtes devenu une folle. La police peut venir. Va s'arrêter à côté de vous poser la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous allez bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous serez en dehors de ce monde par l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. Approchez-vous sincèrement de l'évangile. Vous n'aurez pas honte de cet évangile de Jésus-Christ. Vous n'aurez pas honte du monde. Les musulmans qui n'ont même pas dié. Un musulman peut se tenir ici devant vous. En train de faire ses gestes et ses
maison un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. La promesse du Saint-Esprit pour tous ceux qui sont branchés à Jésus, c'est la promesse du Père pour ses enfants qui sont sur la terre. Amen. Que votre femme aime la parole de Dieu, qu'elle n'aime pas, mais vous qui aimez la parole de Dieu, recevez le Seigneur Jésus. Amen. Que votre mari aime la parole de Dieu ou pas, sœur, vous qui aimez la parole de Dieu, allez de l'avant. Les enfants, papa devient froid ou maman, mais vous avez les ailes du Seigneur, priez pour les parents, révélez les parents sur les droits chemins. 10. Priez chaque fois à la maison. Écoutez la parole de Dieu. Au lieu de mettre beaucoup de programmes qui n'ont pas de sens sur vos chaînes de télévision, sur vos internets, mettez les programmes de la parole de Dieu. Il y a une multitude de prédications, mais choisissez de bonnes prédications. Frère, vous avez un conseil de Dieu, je suis là pour vous, votre frère. Appelez, venez me voir, parlez-en. Demandez à votre frère, quand vous sentez qu'il est spirituel, il vous dira des bonnes choses, il va ouvrir les livres saints. La Bible est là à notre portée. Nous avons des brochures. Nous avons accumulé quand même l'expérience avec ces messages. Par la grâce de Dieu, nous pouvons vous aider. Jésus, il aide pour cette église. Jésus, il aide pour vous, frères. Jésus, il aide pour vous, ma sœur. Quel est ce problème pour lequel nous ne demanderons pas à notre Dieu pour vous aider? Parlez-en à son serviteur. Je m'agenouillerai et je prierai le Seigneur pour vous. Ensemble, il dit, Seigneur, je suis incapable de résoudre les problèmes de mon frère, de ma sœur. Mais toi, le Dieu qui a fait les promesses, aujourd'hui, la sœur a accepté de venir à toi. Mon frère a donné toute sa vie à toi. Seigneur, bénis ma sœur, bénis mon frère. Accorde-lui selon le désir de son cœur. Quel est ce problème pour lequel Dieu est impossible? Rien n'est impossible à ce Dieu que nous croyons. Rien, rien, rien. Rien n'est impossible. Tout vous sera donné par la foi. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Premièrement, vivez la vie chrétienne. Le reste, Dieu vous l'accordera. Amen. Mais vous êtes plus attachés aux choses du monde. Pourquoi? Vous avez l'évangile avec vous. C'est vous qui devez prêcher à vos voisins. C'est vous qui devez prêcher à vos collègues du travail. On doit savoir que vous avez l'odeur de Jésus. Prenez les parfums, la rose. Écrasez la rose sur votre main. L'odeur de la rose ne vous quittera pas. Vous êtes chrétien. L'odeur de Jésus ne vous quittera pas. Partout où vous serez, on connaîtra les frères là. L'homme là de Branham. La fille là de Branham. Mais Branham est notre frère. Il est le serviteur de Dieu. Il n'est pas Jésus. Mais il est là, il est signe prophétique de Jésus avec lui. Alléluia. Amen. Dieu nous réveille. Que Seigneur ait pitié pour nous. Que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'il vienne nous relever. Vous avez planté le blé, la bonne semence. Nous venons de lire cela dans la Bible. La nuit, quand nous dormons, l'ennemi vient. L'ennemi, tous, dans le royaume de Dieu, nous avons un ennemi commun, c'est Satan. C'est Satan qui est notre ennemi. Mon frère, quel que soit, nos divergences sur la parole de Dieu, même votre doctrine peut être contraire à la mienne. Mais si vous croyez que Jésus-Christ est Dieu, c'est lui le Seigneur, le Seigneur, c'est lui l'unique sauveur, vous êtes mon frère par le sang de Jésus. Amen. Mais à cette différence, j'ai pris pour vous un jour, vous arrivez à atteindre la dimension dans laquelle je me retrouve avec les messages de l'air. Ma sœur, la même chose. Mon frère ne peut pas être mon ennemi. Ma sœur, vous ne serez jamais l'ennemi de votre sœur ou de moi qui vous parle. Non! Vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur. Moi, j'ai l'amour. Les frères ont l'amour. Mais pourquoi nous devons être ennemis? Ça ne peut pas être possible. Satan voudra que je sois votre ennemi. Satan voudra que vous haïssez votre sœur sans cause. Parce que vous savez cela. Fouillez Satan. Fouillez les dents de Satan. Fouillez le monde là. Des commémorats, des commérages. Le monde des diffamations,
des mensonges. Le monde toujours téléphone pour parler de votre sœur à une autre personne, de votre frère, de ce qu'il a fait. Quand le peuple hébreu avait quitté l'Égypte, ils allaient à Canaan, au pays de la promesse. Ils commettaient des erreurs, ils avaient des fautes. Mais un hébreu n'appelait pas un autre hébreu. Voilà ce qu'elle leur a fait pour moi, contre moi. Il pouvait faire caca ici, il va m'appeler les autres dans les groupes. Et tel a fait caca ici, non. Il va simplement creuser un trou, ramasser les caca faits par son frère, il va l'enterrer et il continue la marche. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la marche avec le Seigneur Jésus. Mon frère va faire des erreurs, ma sœur fera des erreurs, moi aussi je peux faire des erreurs, nous avons des faiblesses, mais je ne vous demande pas de commettre des erreurs ou de faire des erreurs. Amen. Non, bien aimés frères et sœurs, sans vous rentrer dans les péchés, vous rentrez dans les choses que vous avez vomies dans le monde. Priez pour votre frère, priez pour votre sœur, demandez que Dieu lui fasse encore grâce. Peut-être vous avez compris. Mais lui n'a pas encore compris. Mais nous sommes dans la marche, il va comprendre avec les jours qui viennent. Votre prière aidera votre frère à retrouver les droits chemins. Amen. Votre prière, ma sœur, aidera l'Église à aller de l'avant. L'Église doit aller en avant. Peuple de Dieu, progresser avec l'Évangile. Alléluia. Amen. Nous devons avancer avec le message de l'air. Le prophète de Dieu, Dieu l'a retourné. Nous avons entre nous les grands héritages de Dieu, un héritage sacré qui renferme les promesses de Dieu. Ces promesses ne failliront jamais. Ce sont les promesses qui nous réconfortent, qui nous fortifient à tenir position devant les péchés. N'allons pas faire les compromis. Ne faisons pas les compromis avec la parole de Dieu contre les péchés. Vous avez l'esprit de discernement pour voir les péchés. Avancez avec l'évangile. Quand l'ennemi vient à lui, à côté de la bonne semence, l'ennemi va s'aimer l'ivraie. Frère madame dit, l'ivraie c'est le péché. Il dit, n'arrachez pas. Quand le serviteur lui demandait à maître, maître, mais qui avait de la bonne semence. Il dit, c'est l'ennemi qui est venu nuitamment. Il a semé cela. Mais je vous donne comme conseil, n'arrachez pas encore l'ivraie, de peur que vous puissiez arracher avec le blé qui est la bonne semence. Attendez jusqu'à la maturité. Attendez jusqu'à la bonne moisson. Quand le moissonneur, qui êtes-vous, les chrétiens, vous arrivez à ce moment-là pour récolter. Vous commencez avant de commencer à récolter, liez d'abord l'ivraie, enveloppez cela, vous allez brûler cela. Après, quand vous allez brûler cela, vous allez amasser le blé, vous allez amasser des bons grains pour mettre ça dans les greniers. Vous êtes un chrétien. On vous montre les chemins à suivre. Vous recevez les bons conseils du Seigneur, lesquels vous aideront à marcher, lesquels vous aideront à naître dans le royaume de Dieu. Ne prenez pas un chemin négatif. Prenez le chemin positif qui vous amène au ciel, Amen. Qui vous amène à rencontrer Jésus lui-même. Amen. Quand vous rencontrez seulement Frère Branham, vous allez arrêter au niveau de Frère Branham. Vous n'allez pas. Allez au-delà de la profondeur. Frère Branham est allé au-delà de Branham. Ah. Parce que c'est dit Branham. Il est allé au-delà de Branham. Ça dit quoi? Il a prêché, non Branham, il a prêché le Seigneur Jésus. Amen. Épouse, allez à la rencontre de l'époux qui est Christ. Mais chaque chrétien est appelé à rencontrer Jésus. C'est lui le fondateur de son église. Nous ne sommes que des serviteurs. Frère Branham, c'est parmi les Éphésiens 4. Il était aussi l'un des serviteurs de Jésus. Jésus l'a envoyé avec
accepté le Seigneur Jésus, Amen. À manifester Christ dans toute ta vie, Amen. Parce que vous êtes une partie de Jésus, Amen. Vous êtes un attribut du Seigneur, vous êtes semblable à l'autel pour que vous manifestez Dieu. Amen. Quelle que soit votre maladie, Dieu est là pour vous guérir. Amen. Dieu vous donnera un nouveau corps, Amen. Dieu vous donnera un nouveau sang, il vous donnera un nouveau cœur. Dieu enlèvera les parties des corps qui sont dans vous malades. Amen. Parce qu'il est Dieu, il est le tout suffisant. Amen. Il guérit encore aujourd'hui. Amen. Dieu est complet avec son Église épouse parole. Amen. Vous représentez Jésus sur la terre. Alléluia. Amen. Le Seigneur compte sur nous. Le Seigneur ne compte pas sur les morts. Il compte sur la parole. Mais nous sommes la parole manifeste. Amen. Nous devons arriver à la maturité. Cette maturité, c'est quand les péchés sont liés. Le Seigneur, Jésus, c'est Jésus qui est en train de dire dans cette parole, par rapport à ce Jésus en train de, qui est en train de répondre à ses serviteurs. Il est lié d'abord, premièrement, livré. Confessez d'abord vos péchés. Faites sortir la mondanité en vous. Venez mourir à l'autel. Créez un autel chez vous à votre maison. Un endroit auquel vous êtes habitué à prier là-bas dans la maison, en chambre. Pendant que vous laissez tout le monde, il y a la prière en famille. Mais quand vous voulez parler à votre père, soyez seul. Même vous êtes marié. Le salut est individuel. Amen. Dieu ne viendra pas vous visiter en famille, en groupe. Dieu viendra visiter papa seul, maman seul, les enfants, chaque enfant à son tour. Amen. Mettez-vous à genoux, cherchez la face du Seigneur. Même si vous devez pleurer, commencez à pleurer pour le Seigneur. Votre vie sera changée par le même Seigneur qui vous a appelé. Il vous essuiera des larmes. Mais il y a la mort qui coule dans votre nez. Dieu sera là pour enlever cela. Amen. Position pour le Seigneur Jésus. Le message, c'est la puissance de Dieu dans l'Église. Amen. Quand les péchés sont liés, à ce moment-là, croyez-les, le Seigneur vous visitera. Repentez-vous, ça c'est l'apôtre Pierre, poussé par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, dans les actes de Saint-Esprit sur les apôtres. L'apôtre Pierre a écrit, repentez-vous, soyez, donc confessez vos péchés, soyez baptisés dans le nom de Jésus, pour le pardon de vos péchés, vous serez sauvés. Et il enverrait les dons du Saint-Esprit pour vous, sur vous, à vos enfants, à votre famille, là dans D39, de génération en génération. À tous ceux qui sont loin, ceux qui sont dans les morts, nous tous aussi nous étions dans les morts. Peut-être hormis nos enfants qui sont nés dans les messages. Nous venons du monde, sauvés par la grâce de Dieu. Ne condamnez pas les gens du monde, condamnez l'esprit qui est dans les morts. Amen. Parce que tous nous avons été dans les morts dans l'ignorance. Amen. Personne ne pouvait prévaloir pour être chrétien, dire qu'il est chrétien. C'est Dieu par sa grâce. Quand nous prions pour ceux qui sont restés dans les morts, la grâce de Dieu est encore là pour les faire sauver. Dieu sauvera votre voisin, Amen. Votre voisine, votre collègue de l'école, votre collègue de travail, un parent qui n'a pas encore cru. Dieu les sauvera à cause de la dimension dans votre âme que vous donnez à ce Seigneur. Quand Dieu vient vous visiter, il doit trouver que votre cœur est devenu agréable à lui. Amen. Enoch était agréable à Dieu. Élie était agréable à Dieu. Dieu les a enlevés. Ils n'ont pas connu la mort. Ils sont enlevés. Ils sont partis. Dieu a envoyé un tourbillon, un char de feu pour prendre le prophète Élie. Et Enoch est allé avec son corps. Vous savez, il y a une promesse qui concerne l'Église épouse. Ne manquez pas cela. Amen. L'église épouse. Toutes les églises du message ne sont pas l'épouse parole de Jésus. Amen. Parce que dans ces églises, il y a trois sortes de croyants. Il y a les véritables croyants qui cherchent, qui ont la foi de Saint-Esprit. Il y a les semi-croyants.
Il y a des incrédules. Ils sont tous dans les églises de message. Mais vous devez chercher. Vous êtes dans quel groupe? Frère, cherchez le baptême du Saint-Esprit. Vous devez commencer par mourir. Vous devez chercher plus que vous ayez les paroles de Dieu. Que la Bible devienne un nouveau livre pour vous. Lisez la Bible. Nous sommes identifiés dans cette Bible. Les chrétiens sont identifiés à la parole de Dieu. Nous retrouvons nos noms dans les livres de vie de l'agneau. Amen. Cachés dans le sang de l'agneau. Et quand vous avez retrouvé, vous avez la reconnaissance de retrouver que vous êtes identité. Votre identité se réfère à l'identité de Christ. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie. Ne restez pas au même endroit. Ne reculez pas. Avancez. Quel que soit le problème que vous avez, quelles que soient vos faiblesses, avancez avec la parole de Dieu. Avancez, mon frère. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Frère, sœur, dans votre chambre, vous n'avez même pas la photo du prophète. Vous n'avez même pas celle ici d'offrement de Christ. Vous n'avez même pas la nuée. Vous n'avez même pas une présence. Frère Branham donne des conseils en nous disant que ces photos ne manquent pas dans votre bureau, dans votre voiture, dans votre maison, dans votre chambre. Ça a un impact, ça a une influence. Si vous avez été baptisé dans le nom de Jésus et qu'aujourd'hui vous êtes chrétien, vous trouvez qu'il y a beaucoup de choses à arranger. Frère, le conseil que je vous donne cet après-midi, c'est de mourir. Mourir au Seigneur Jésus, même il faudra que vous repreniez votre baptême au nom de Jésus. Vous allez le faire. On vous rebaptise au nom de Jésus. Afin que votre expérience recommence, Dieu vous enverra le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'orgueil dans la marche chrétienne. Ayez l'humilité sur votre cœur. Mourrez dans ce monde. Dieu vous ressuscitera. Tous ceux qui sont morts avec Jésus, ils reviendront à la vie. Jésus va les ressusciter. Ne dorlotez pas les péchés. Quand c'est un péché, dites que c'est un péché. Quand c'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise chose, c'est un péché. Ne dorlotez pas. Ne faites pas de compromis avec cela. Dieu nous a rendus des saints par cette puissante parole. Comment continuez-vous? Vous devez passer par le filtre de Dieu. Dieu doit vous filtrer. Dieu doit vous tamiser. Vous devez passer par le filtre qui est la parole de Dieu. Réveillez-vous. L'église de réveil. Ce n'est pas seulement l'église que nous parlons de réveil. Mais le réveil doit commencer à votre maison. Le réveil doit commencer dans votre cœur. Vous faites toute la journée. Vous ne chantez même pas un cantique. Mais c'est que vous êtes encore loin là. Pourquoi? Toute la journée, jusqu'à ce que. Mais l'onction ne viendra pas. Cherchez à appeler l'onction par les cantiques. Les cantiques que nous avons, c'est les messages. Chantez suffisamment. Chantez beaucoup. Quel que soit le temps où on est lié, murmurez le nom saint de Jésus. Donnez beaucoup de place au Seigneur Jésus. Dieu se dévoilera à vous. Frère Branham dit ceci. Dans les esprits séducteurs. Les esprits séducteurs sont contre la parole de Dieu. Il dit, mais ce qui est tout ce qui est de Satan, tout ce qui est du monde, les esprits qui ne sont pas de Dieu, c'est la semence de discorde. C'est ce qui est contraire à la parole de Dieu. Ce sont les esprits séducteurs. Les esprits séducteurs ne vous laisseront pas tranquilles.
plutôt, à quoi serviraient les téléphones que vous avez? Mais si nous avons les téléphones, parlons des bonnes choses de l'évangile à mon frère, à ma soeur. Vous dites à votre frère ou à ma soeur que Dieu vous bénisse, mais dans votre cœur, vous sentez que la bénédiction est là. Vous venez tomber de faire des choses qui ne sont pas justes, avec des mensonges. Vous dites à votre frère que Dieu vous bénisse, ça ne passera pas. C'est la condamnation qui retourne sur vous. Vous amassez la malédiction parce que votre cœur n'est pas pur pour prononcer que Dieu vous bénisse. Amen. Vous devez être juste avec vous-même. La parole que nous avons, c'est une dose de vaccin qui nous est donnée pour que nous regardions à Jésus. Nous regardons la vie qui nous amènera au ciel. On nous regarde par le monde. Quand vous passez à Cargill ou si on vous prend du bois, il y a des branlants, il y a des messages. Mais on vous voit sortir de Cargill en pantalon jusqu'à chez vous à la maison. Quelle honte, ma sœur! Vous n'avez pas droit à cela. Votre pantalon s'arrête à Cargill. Mettez-la à Cargill. Faites sortir cela à Cargill. Pas les dehors avec ça. Si vous êtes content pour cela, ne le faites plus. On vous voit en pantalon. Honte à vous. L'église de Dieu est vivante. Mais pourquoi vous allez blasphémer le Saint-Esprit de Dieu? Dieu vous a donné un travail. Vous n'êtes pas content de ce travail. Les pantalons que vous portez, c'est une tenue du travail, l'exigence professionnelle. Vous portez au lieu de travail, ça s'arrête là-bas. Mettez votre tenue, vous êtes une fille de Dieu. Vous honorez le Seigneur, vous adorez le grand Dieu, vous représentez Dieu, vous êtes en train de prêcher l'évangile. Alléluia. Votre habillement, les formes de votre corps, mais vous allez commettre l'adultère. Si vous avez des habits sexy, vous répondrez devant le Seigneur. C'est votre affaire. Ayez les vêtements décents. Ayez les habits qui sont bons pour les chrétiens. Nous avons des couturières parmi nous. Même si dans la ville, on vend encore des machines. Achetez des habits qui sont propres aux chrétiennes. Ne copiez pas le monde. Amen. Si vous voulez copier le monde, copiez la parole de Dieu. Notre civilisation, c'est la parole du Seigneur. Amen. La civilisation du monde est pourrie. Tout est pourri dans le monde. Les amis, les compagnons. La mondanité est pleine de partout. Nous avons fui le monde pour trouver le refuge en Jésus. Frère, s'il y a un ami, ne veut pas de la parole de Dieu, il ne veut pas de vous. Il ne vous aidera pas à grandir dans la foi. Ma sœur, mais vous êtes toujours à côté de quelqu'un qui ne croit pas la parole de Dieu. Mais il est quoi? Il est la semence de discorde à votre côté. Mais oui, il vous aime. Il trouve que vous êtes une bonne sœur. Vous êtes un bon frère. Mais pourquoi vous êtes bon? Mais à cause de l'évangile de Jésus. Mais pourquoi il ne peut pas venir à cet évangile? Pourquoi il ne peut pas venir vous suivre à l'église? Si vous organisez une fête, vous ne l'invitez pas, vous devenez votre ennemi. Vous avez organisé l'anniversaire, vous ne l'avez pas invité. Mais votre vie, c'est une invitation pour elle qui vous suit à l'église. Oh, je vais chez telle sœur. Ah, elle est gentille. Elle est gentille, elle prie là-bas chez les gens de Brana. Mais les choses que vous demandez à la sœur vous les donne facilement. La sœur parle avec vous. Là, vous n'avez pas vu une pierre d'achoppement contre Brana. Mais seulement quand vous voulez venir à l'église, ça devient une pierre d'achoppement. Branham n'est pas Dieu. Branham, c'est comme Esaïe. Branham, c'est comme Moïse. Branham, c'est comme Ézéchiel. Branham, c'est comme Jean-Baptiste. Dieu lui a donné une portion de la parole de Dieu pour rassembler ses peuples qui se préparent avec le message du temps de la fin pour vivre une vie chrétienne sur la terre. Un jour, nous partirons à l'enlèvement. Amen. Et nous reviendrons encore vivre sur la terre. Abandonnez-vous entre les mains du Seigneur.
Amen. Il vous aidera, il vous donnera un cadeau empoisonné. Parce qu'il n'a pas la même sémence. Vous avez une sémence pour refléter Christ. Mais quelle est la sémence qui est à lui? C'est la sémence de Dieu. Il sera à vos côtés, il viendra adorer avec vous. Alléluia. Amen. Les dimanches, ne restez pas à la maison. Les dimanches, commencez d'abord, vous vous réveillez, priez le Seigneur. Dites au Seigneur, c'est un dimanche, c'est un jour solennel, un jour officiel pour les chrétiens. C'est le dimanche, les chrétiens doivent s'habiller. S'il y a un jour de fête, c'est le dimanche pour les chrétiens. Alléluia. Amen. Mettez votre costume qui est en dessous des valises. Montrez votre jolie robe, ma soeur. Vos pailles là très chères. Mettez cela, venez avec à l'église. La fête pour nous chrétiens, c'est le dimanche, quand nous venons dans la présence du Seigneur. Quand nous venons adorer, nous devons être bien habillés, bien propres. Nous reflétons le ciel. Nous venons pour présenter les intérêts des royaumes de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le monde s'habille quand ils savent qu'ils vont à la fête pour aller boire. Quand ils savent qu'il y a une fête là-bas, ils vont faire la concurrence. Un tel s'est habillé comme ceci, comme cela. Il vient là-bas pour prendre un verre de liqueur, un verre de bière. Il va prendre un habit somptueux. Il va à la fête. Notre vie est différente du monde. Amen. Nous avons les habitudes différentes. Amen. Nous devons être bien habillés. Frère, vous êtes un prince. Ma soeur, vous êtes une princesse. Habillez-vous, fille de Dieu. Habillez-vous, frère. Cela. Alléluia. Amen. L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile surnaturel. L'évangile du Saint-Esprit, l'évangile de la Pentecôte, nous vous amenez à la monde ancienne où les gens crieront des gloires à Dieu, des merci Seigneur. Alléluia. Vous n'avez pas honte de quelqu'un. Oh bien-aimé, parce que c'est l'église en plein feu. Le feu divin descend dans votre cœur. Le feu divin vient pour purifier nos cœurs, pour nous laver, pour nous nettoyer. Et en ce moment, après seulement que le Seigneur viendra vous visiter, après seulement le Seigneur viendra pour que la sémence de Dieu soit placée dans vos cœurs. Si vous voulez dire Amen, qui peut dire Amen à cela? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes en train d'avancer, peuple de Dieu. Nous sommes en train d'avancer et de reculer, surtout par cet évangile. Alléluia. Amen. Il dit encore ceci, prenez la parole de Dieu, ne cherchez pas à fabriquer quoi que ce soit, n'allez pas vous ingénier à l'autel, en donnant des coups dessus, en donnant des coups, non, en criant à tue-tête, non. Amenez-les à l'église. Amenez-les, c'est une bonne personne. Amenez-les à l'église, donnez l'invitation. Amen. Venez avec lui à l'église. Pourquoi ils ne viennent pas avec vous? Pourquoi? S'ils ont des choses à arranger, qu'ils arrangent. Venez. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste. Combien de temps il nous reste? Les lendemains t'a dit, vous refusez les messages. Vous risquez de franchir la ligne de démarcation. On vous appellera toujours frère, sœur, mais la chose vous a déjà quitté. Amen. Vous commencez à vivre comme le monde. Mm-hmm. Vous sortez de la parole de Dieu.
Vous rentrez chez vous à la maison, vous êtes en train de suivre un match de football. Vous êtes en train de suivre les Maboké. Vous êtes en train de suivre les musiciens du monde. Mais tous ces musiciens-là chrétiens, ils chantent le monde, ils mettent le nom de Jésus. Ils refusent les messages, pourquoi? S'ils sont réellement chrétiens, ils accepteront le message. Mais du moment où ils sont en train de piétiner le message, ils sont encore dans le monde. Amen. Satan sait que tout le monde a quitté le monde pour se cacher dans l'église. Satan a suivi même les gens à l'église. Amen. Satan est entré dans l'église pour suivre même les gens qui chantent pour Jésus. Ils mettent le nom de Jésus. La danse du monde, les mouvements qu'ils font, leurs pensées, c'est le monde. Ils chantent pour endormir les gens. Ils chantent comme les Wenge, comme les Kofi, comme tous ces musiciens du monde. Ils veulent emballer les gens parce qu'ils ont mis le nom de Jésus. Entaillé. Mais c'est cela qu'ils font dans les morts. Mais ils ne sont pas convertis. Comment ils vont chanter pour le Seigneur Jésus? Dieu a dit, Pierre, quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. Amen. Mais tu venais de faire beaucoup de choses dans les morts. Mais quand tu es né dans le royaume de Dieu, tu dois mourir pendant beaucoup d'années. Ce n'est pas automatique. Automatique, tu meurs dans la vie du monde, tu veux chanter pour le Seigneur. Tu veux commencer à prêcher l'évangile. Ça ne marchera pas. Amen. Les esprits du monde sont encore sur vous. Les esprits du monde, vous alliez voir un gamin là-bas pour avoir un peu de fétiche, pour que votre travail aille de l'avant. Vous chantez dans votre album, au lieu de voir Jésus, on voit vous avez vu votre grande photo là-bas. Ce n'est pas vous. Vous allez faire les affaires avec le nom de Jésus. Le nom de Jésus devient un objet de commerce. Vous voulez commercialiser Jésus? Non, non. Ne cherchez pas les intérêts d'argent avec le nom de Jésus. Les intérêts que nous avons avec Jésus sont les intérêts du royaume éternel. Amen. Vraiment. Alléluia. Amen. Oh Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Ça c'est le prophète qui dit. Donne-moi le Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Il ne viendra pas à vous. Quand vous donnez des coups forts à la chair ou à l'autel, tant que vous n'avez pas encore abandonné le monde et les choses du monde, tant que vous n'avez pas encore arrangé votre vie, vous voulez toujours plaire aux gens du monde, plaire à votre famille, plaire à toutes ces choses-là, vous ne voulez pas mourir. Comment le Seigneur vous donnera le Saint-Esprit? Mais les esprits séducteurs sont sur vous. Vous continuez à plaire aux choses du monde. Vous n'avez pas encore pris la décision à plaire au Seigneur Jésus. C'est comme cela, les esprits qui sont contraires à Jésus viendront à vous. Le monde a haï Jésus sans cause. Tous ceux qui sont de Jésus, le monde les haïra sans cause. Amen. Vous devez savoir cela. Vous voulez plaire au monde? Commencez d'abord à plaire à notre Seigneur. Amen, amen. Cherchez d'abord la face du Seigneur. Devenez d'abord l'ami de Jésus. Ça ne sert à rien. Ça, non. Ce n'est pas de cette façon-là. À qui je vais m'entendre? C'est en prenant Dieu au mort. Prenez Dieu au mort. Venez à la chair. Venez à l'autel. Vous venez. Les esprits séducteurs encore, prêchés le 24 juillet 1965. Dans paragraphe 143, Frère Branham dit ceci. Paragraphe 143. Vous me suivez? Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Réveillez-vous bien les frères et sœurs. Écoutons les conseils du prophète. Dans les esprits séducteurs, prêché au Branham Tabernacle le 24 juillet 1967, la dernière année avant que Frère Branham ne rentre à la maison. Il dit ceci dans paragraphe 143 et
Vous aimez les choses du diable. Ce n'est pas moi, votre frère. C'est les prophètes qui nous donnent des conseils. Si vous aimez les mots, vous aimez les choses du diable. Si vous êtes une buse, vous mangerez des choses mortes. Si vous êtes un cochon, vous mangerez du filier. Où en êtes-vous aujourd'hui? Exact. Vous prétendez être ici, en haut, à manger les choses du Seigneur. Et ensuite, vous descendez fouiller avec le diable. Honte à vous. Honte à vous. Si vous dites que vous êtes chrétien, vous venez à l'église, vous allez écouter la parole de Dieu, vous sortez dans le milieu chrétien. Mais après un moment, on vous voit en train de fouiller, de prendre la nourriture du cochon. Vous voulez toujours être cochon. Mais pourquoi vous voulez toujours demeurer dans l'état des cochons et pourtant vous êtes chrétien? Faites la différence entre la nourriture des cochons et la nourriture que vous vous servez. Amen. Vous vous servez de la parole de Dieu. Amen. N'allez pas prendre la nourriture des cochons. Amen. Parce que vous n'êtes pas un porc. Alléluia. Amen. Les gens du monde qui étaient avec vous, même vous avez fait des choses qui sont contre la parole de Dieu. Mais du moment où vous avez pris la décision de les quitter, ne regardez plus en arrière. Écoutez les conseils des prophètes. Ne regardez plus à ce que vous avez vomi. Vous risquerez d'être comme la femme de Lot, qui est devenue une colonne de sel. Parce que la femme de Lot ne voulait pas partir sortir de Sodome et Gomorre. Le péché a accru. Dieu voulait détruire Sodome et Gomorre. Dieu leur a donné l'ange est venu. C'est l'ange de Dieu qui est venu avec le message. L'ange de Dieu, c'est ce William, alors Madame le messager. Dieu avait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Là, arrêtez d'écouter les esprits séducteurs. Arrêtez d'écouter vos amis. Arrêtez d'écouter vos compagnons. Et pas écouter les serpents. La mort est entrée dans les camps. N'écoutez pas celui ou la personne qui vient avec des songi-songi. Non. La personne qui vient pour parler en mal contre votre frère ou votre sœur, ne l'écoutez pas. La personne qui vient pour mettre la convoitise dans votre bouche, la zizanie parmi les enfants de Dieu, ne l'écoutez pas. Chrétien, quand vous recevez quelqu'un, commencez par la prière. Amen. Quand vous recevez n'importe qui, parce que vous avez votre nature de chrétien, la prière, ça fait partie de votre nourriture. Amen. Commencez à prier. Vous voulez recevoir des gens chez vous à la maison? Qu'ils soient des frères ou des sœurs, demandez qu'on puisse prier d'abord. Là, vous arrêterez Satan et toutes les choses de Satan. Mais s'il n'y a pas prière, oh, ça n'est fini. Vous commencerez bien. Et la suite, 20 minutes après, vous commencez à voir les problèmes de la sœur là. La sœur là, depuis qu'elle est arrivée, la sœur là, les frères là, vous savez que ce frère là a fait ça, les frères là avant. C'est parce que vous n'avez pas prié. C'est parce que vous n'avez pas appelé Jésus à s'associer avec vous. Amen. C'est parce que vous n'avez pas voulu que Jésus s'associe à votre conversation dans la communion. Vous voulez éloigner, sortir, abandonner cela le monde. Alléluia. Amen. Si vous devez rester seul, un cantique ne manque pas. Tous les hommes, toutes les femmes qui ont fait quelque chose dans leur vie, pratiquement, ont été des hommes, des femmes qui se sont tenus seuls avec Dieu. Amen. Vous voulez avoir une onction, mais vous devez tenir seul devant le Seigneur. Laissez que votre mari à côté. Alléluia. Amen. Rentrez en chambre et mettez-vous à genoux. Vous n'avez pas l'habitude de vous agenouiller. Pourquoi? Non, bien-aimé. Votre genou doit faire sortir
les cicatrices. Parce que le Seigneur nous regardera ce jour-là. Montrez-moi les cicatrices de votre combat. Vous avez combattu, je vais voir les cicatrices. Amen. Vous devez voir les cicatrices. Mais les premières cicatrices proviendraient de vos genoux. Vos genoux doivent souffrir. Les mains en l'air. Parlez à votre Père. Vous recevrez les bénédictions de votre marche chrétienne. Alléluia. Amen. Dans Paradoxe 149, Frère Branham dit ceci. Et aujourd'hui, ô mes frères, ne prêtez aucune attention à ce que le monde a à vous offrir. Au traitement qu'il prescrit aux gens du vaccin, qu'ils ont contre les microbes, alors qu'ils affirment, si vous adhérez à l'église, tout ira bien pour vous. Ça, c'est un faux vaccin. Alléluia. Amen. Seigneur en vous. Vous ne vous nourrissez pas comme il se doit. Il y a du cochon-corps dans votre âme. Mourrez dans toutes ces choses. Dieu naîtra la nouvelle vie. Dieu vous donnera une bonne semence qui va germer les fleurs, qui va germer la bonne nourriture convenable à votre cœur. Pourquoi vous avez encore la maladie du péché? C'est ça, mais je vous l'ai dit, il y a une chose, frère, qui vous vaccinera contre les péchés, c'est de venir au sang précieux du Seigneur Jésus et d'être rempli du Saint-Esprit. Voilà ce qui vous vaccinera contre tout péché. Et vos désirs s'orienteront vers le ciel. Et vous n'aurez pas le temps d'accorder aux choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez écouté le conseil de Dieu dans les esprits séducteurs. Tous ces conseils-là nous servent. Tous ces conseils-là nous avons besoin pour avoir une profondeur dans la parole de Dieu. Pour que nous puissions nous tenir avec foi. Nous pouvons nous tenir avec joie. Que Dieu mette la joie dans votre cœur. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Jusqu'au jour de votre rédemption. Prenez la décision de rester avec l'évangile. Prenez la décision de garder la sainteté. Prenez la décision, quand vous avez toujours dans la maison des cantiques, vous chantez beaucoup, Dieu vous enverra l'atmosphère spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes un micro du Seigneur. Vous chantez pour le Seigneur. Vous chantez pour le Seigneur. Nos cantiques, ce sont les messages. Ce sont les paroles du Seigneur. Nos cantiques, mais vous jouez la délivrance. C'est pas par les cantiques. Écoutez une prédication. Vous êtes malade. Ne restez pas à la maison. Venez à l'église. Vous souffrez. Vous voulez mourir. Venez mourir à l'église. Amen. Dieu répondra devant lui-même pourquoi ce frère-là est venu et soit mort à l'église. Dieu ne vous laissera pas mourir à l'église. Dieu ne vous laissera pas être toujours malade. Dieu enlèvera la partie des maladies qui est en vous. Amen. Il vous donnera une nouvelle partie de bonne santé. Amen. Vous avez un pied malade, Dieu vous donne un nouveau pied. Vous avez un pied malade, Dieu vous l'accordera. Vous avez un cœur de maladie, Dieu vous donnera un cœur nouveau. Alléluia. Amen. Un cœur nouveau pour le servir. Un corps
agréable à votre voiture, vous allez loin pour Jésus. Que Dieu vous bénisse, frères. Les frères qui viennent de Galesbourg, les frères qui viennent de Bloomington. Que Dieu vous bénisse. Vous ne venez pas pour nous, vous venez pour les promesses qui sont dans vos cœurs. Amen. Alléluia. Dans les nez de Satan, dans paragraphe 169, disons tout simplement cela, nous courons derrière le temps. C'est cette terre sur laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Cette terre va disparaître. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Dieu a détruit la terre des temps de Noé. Quand le Fils de l'homme apparaîtra, le Seigneur Jésus, au temps du soir, la lumière paraîtra. Nous avons vu cette lumière. Amen. Cette lumière est à nous. Cette lumière, c'est l'évangile du Saint-Esprit. Cet évangile va nous changer. Nous ne resterons plus les mêmes. Il y a quelque chose qui doit se passer dans votre vie. Et à ce moment-là, Dieu reviendra pour détruire ce monde. Quand Dieu viendra pour détruire ce monde, nous ne serons plus dans ce monde. Amen. Nous serons déjà rentrés, nous serons près du Seigneur à la maison. Il est allé préparer un palais. Il est allé préparer une place pour chaque personne qui croit en lui. Il reviendra nous prendre. Jésus a horreur du péché. Amen. Il ne viendra plus mettre ses pieds sur la terre ici. Non. Il sera dans l'espace, dans les airs. Ceux qui vont les rencontrer, moi aussi je vais les rencontrer. Amen. Je vais rester. Il est mes frères et sœurs. Nous allons les rencontrer dans les airs. Et il nous ramènera à la maison. Il va nous essuyer les larmes. Il va chercher à voir vos cicatrices. Jésus nous embrassera. Cet homme pour lequel nous avons tant parlé, nous le prêchons jour et nuit, nous l'adorons. Mais nous ne l'avons pas vu physiquement, nous le verrons ce jour-là. Nous serons revêtus des corps glorifiés. Nous serons changés. Nous ne serons plus les mêmes. Le corps que nous avons, c'est un corps. Ce corps va mourir. Nous aurons un corps d'immortalité. Un corps céleste. Un corps dédié à nous. Alléluia. J'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Là, Dieu sera avec ses attributs véritables. Les véritables attributs, ce sont les enfants de Dieu. Ceux qui seront avec Dieu là. Dieu nous ramène au commencement. Adam et Ève, ils étaient voilés de la gloire de Dieu. Ève était nue. Adam était nu. Mais ils ne voyaient pas les nudités. Parce qu'ils étaient voilés de la gloire de Dieu, de la gloire de la parole de Dieu. Mais quand seulement le péché est entré, quand Ève a été visitée par la semence de discorde, la mort est entrée dans les camps. Ils sont allés, ils ont couru pour aller chercher les feuilles de figuier. Ève a su que Adam était nu. Adam a su que Ève était nu. Ils ont cherché à s'habiller. Ils étaient dans la grandeur de la parole. Ils n'avaient pas honte. La nudité est venue quand le péché est entré. Amen. Alléluia. Amen. Ce péché doit être d'abord lié. Là, Dieu sera avec ses attributs véritables. Ses fils et ses filles. Là où il pourra communier avec eux. Dans la sainteté, leurs yeux aveugles à tout péché. À partir de ce moment-là, il n'y aura plus jamais de péché. Alléluia. Amen. Qui peut dire amen à cela? Amen. Il n'y aura plus de péché. Quand nous serons avec Jésus, le
nous aurons une nouvelle terre. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, c'est glorieux. Nous lisons encore dans 154 et 156, dans les dés de Satan. Aimez-vous les prophètes de Dieu. Amen. Aimez-vous les William Abraham. Amen. Notre précieux frère. Amen. L'homme de Dieu. Les prophètes confirmés. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il dit ceci dans 154. Ce n'est plus un fils de Dieu. Un fils de Dieu qui n'abandonne pas les péchés. On ne vous connaît pas. Tant que vous êtes frère, tant que vous êtes dans les morts, ma sœur, vous êtes dans l'église, dans la parole de Dieu, tant que vous voyez avec les choses du monde, ça vous plaît, vous êtes content. Quand vous avez les choses du monde, on ne vous comprend pas. On ne vous comprend plus. Écoutez, le frère Madame dit ceci. Ce n'est plus un fils de Dieu. Ce n'est plus une fille de Dieu. Il est franche qui lui descend sur le visage. Il est tout le temps en short. Il se promène comme ça dans la rue. Un fils de Dieu, un diacre à l'église, un pasteur à la chair. Non, ce n'est pas un fils de Dieu. Il n'est pas jamais passé par le filtre de Dieu. Oh! Il n'est jamais passé dans le filtre de la pensée de Dieu. Il ne porterait pas ces vêtements-là. Bien que vous portez vos pantalons à Gargile, mais je vous fais revenir que le prophète dit, ne portez pas. Là, vous portez à Gargile, c'est une exigence du travail. Portez à Gargile, enlevez ça à Gargile, ça s'arrête là-bas. Amen. Votre vie en dehors de la parole de Dieu, si vous le faites, frère Madame dit, vous n'êtes pas une fille de Dieu. Amen. C'est le prophète qui donne des conseils. Amen. Frère, vous ne pouvez pas vous mettre à caleçon. Frère Madame appelle les caleçons des culottes. Un frère qui est rempli de Saint-Esprit, vous êtes dans votre salon, ne soyez pas culotte. À moins que vous soyez que vous n'allez pas recevoir des gens. À moins que vous soyez avec votre épouse, vous savez que les enfants ne sont pas là non plus. Ou vous êtes seul. La culotte est un sous-vêtement. Ne les portez pas en public. Cela deviendra un scandale. Ne les mettez pas. Écoutez bien ce que le prophète nous dit. Soyez toujours en pantalon, soyez toujours à un habit qui dépasse vos genoux. Alléluia. Amen. Êtes-vous avec moi? Amen. Êtes-vous avec moi, bien-aimé? Amen. Écoutez les conseils du prophète. Voyez-vous, ce n'est pas un fils de Dieu, c'est un fils de Satan. C'est une fille de Satan. Oh, pénible à dire cela. Frère Bonhomme dit, c'est pénible de dire cela quand vous savez que c'est bien-aimé qui est arrivé dans une des faiblesses pour se tenir à cela, être en culotte ou être en pantalon sur la rue. Vous quittez Kargil, vous allez à Omat en pantalon, vous allez à Jacksonville en pantalon, une fille de Dieu. Vous n'êtes pas une fille de Dieu, vous êtes une fille de Satan. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous direz, le pasteur a dit que vous êtes une fille de Satan. Non, c'est le prophète, j'ai lu le prophète dans l'Éden de Satan, dans paragraphe 154. Écoutez bien. La paragraphe qui continue. Satan aussi a perverti et a pris des possessions de ses morts et a offert son royaume. Les hommes ont déplacé ici avec un libre arbitre. Vous avez un libre arbitre avec vous de prendre des décisions. Soit vous allez à droite, c'est là où le Seigneur Jésus se tient. C'est là que c'est positif. Où vous allez à gauche, c'est le côté de Satan. Là, c'est négatif. Si vous abandonnez le péché, vous manifestez le Saint-Esprit de Dieu vivant. Vous avez le sceau de Dieu. Vous êtes dans le royaume de Dieu. Si vous continuez avec les choses du monde, vous allez rendre le plaisir à Satan. Faites attention, ma sœur. Coupez vos relations avec les intérêts de Satan. Amen. Cherchez les intérêts de Dieu. Vous avez les libres arbitres, les permettant de changer eux-mêmes. Les genres de vie qu'ils voulaient mener. Quel genre de vie que vous
C'est comme ça qu'on peut voir ce qui est dans votre cœur. Voyez, voyez voir. Saviez-vous qu'une chose, vos actions parlent seulement de tout ce qui se trouve dans votre cœur. Alléluia. Amen. Si je vais voir un homme, Frère Branham dit ceci, qu'il dise, oh, j'ai tout pour moi, nous sommes tous chrétiens, nous sommes membres de l'Église, des photos, des strips tracés ou accrochés partout dans son bureau. Vraiment. Sœur, cachez ces choses-là. Il aurait beau me dire n'importe quoi, je saurais à quoi m'en tenir. Amen. Un chrétien, une chrétienne, c'est une personne qui ne fait pas l'oreille sur la parole de Dieu. Amen. Tout ce que vous trouvez que ce ne serait pas bien, mettez ça de côté. Amen. Ne soyez pas une pierre d'achoppement pour l'avancement de la foi de votre frère. Quand vous devenez un scandale pour Dieu, Dieu va vous retirer sur la terre. Amen. Quand vous devenez une pierre d'achoppement pour le royaume de Dieu, Dieu ne pourra pas continuer à vous garder. Parce que vous êtes en train de blasphémer le Saint-Esprit de Dieu. Dieu est mis à vous faire partir pour garder votre âme dans la sainteté. Alléluia. Amen. Dans la séance de discorde, disons le dernier paragraphe. Pour terminer, nous disons dans le paragraphe 82 et 87, 60 d'abord et puis 87, et il dit ceci, c'est une prédication à ces noms de discorde, à l'hôtel où ils sont oh, la Phoenix à Arizona, le 18 janvier 1965. Ce sont presque les prédications des dernières années du prophète, 1965, dans le paragraphe 60, il dit ceci. Frère Branham, qu'est-ce que vous voulez encore nous donner comme conseil? Nous voulons écouter le Seigneur et les prophètes de Dieu. Parlez-nous et puis du Seigneur. Il dit encore ceci. Donc, nous trouvons ces mêmes vieux, ces mêmes discordes. Et souvenez-vous, ces péchés n'ont jamais été pardonnés. Maintenant, frère, s'il n'a jamais été pardonné à cette époque-là, qu'en est-il de maintenant? Amen. Alors, la véritable semence de tous les âges est en train d'être se rassemblée. Amen. Remarquez cette grande chose que Balaam a faite. Balaam a été corrompu. Balaam, c'était un homme de Dieu, prophète aussi en Israël. Mais Balaam était devenu tiède et rétrograde. Balaam a été corrompu par le roi Barak. Barak lui donne l'argent, tu es prophète, va maudire l'Israël. Quand le prophète Balaam est allé pour maudire l'Israël, il a prononcé les paroles, mais ces paroles s'étaient transformées en bénédictions. Amen. Pendant qu'il parlait, ce sont les bénédictions qui descendaient, qui tombaient en faveur d'Israël. Balaam va encore l'appeler. Mais moi, je t'ai donné de mon argent pour maudire l'Israël. Tu es allé encore pour me bénir. Je t'ajoute encore beaucoup de dollars, beaucoup de millions et milliards de dollars pour aller en Israël et maudire. Il va la deuxième fois. La deuxième fois, ce sont les mêmes paroles de bénédiction qui sortiront pour bénir l'Israël. Écoutez le conseil du prophète Branham. Ne maudissez jamais l'Israël. L'Israël, c'est la nation, c'est le peuple de Dieu. Amen. Quand vous êtes en train de maudire l'Israël, vous maudissez Dieu. Amen. Vous savez que Dieu vous maudira. Cela va faire un retour. Parce que vous ne pouvez pas maudire Dieu. Même la femme de Job a dit à Job, maudissez ce Dieu-là. Et que toutes ces maladies, toutes ces plaies-là que vous avez, vous mourrez. Vous en aurez fini avec ce Dieu-là. Le prophète Job, un homme de Dieu intègre, un homme droit, regardez à ce que Dieu a fait dans sa vie, regardez à sa expérience personnelle avec le Seigneur, il n'a regardé qu'à sa femme qui était une femme insensée. Tout le bonheur que vous avez aujourd'hui, c'est Dieu qui a fait cela, mes soeurs. Tout le bonheur que vous avez aujourd'hui avec les aux États-Unis, amen, c'est le Seigneur qui vous a donné. N'abandonnez jamais l'évangile. Amen.
dernier paragraphe, toujours dans la sémence des discordes. Je vais lire le contrat 21. Dieu a planté sa sémence. Je termine parce que c'est le moment de former la ligne de prière. Là, c'est le prophète. Dieu a planté la sémence et sa sémence c'est Christ. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Cette sémence est en vous. Vous recevez cette sémence cet après-midi. Je vais prêcher là-dessus. Un soir, dans quelques temps, le lieu où Dieu a décidé de mettre son nom. Si le Seigneur le veut, peut-être à l'un de ces petits déjeuners, quand j'aurai un peu plus de temps, regardez. Il est la seule issue. Il est le seul souverain véritable. Il est le seul vrai Dieu. Il n'y aura pas d'autre que lui. Il a dit, je suis Dieu, le seul Dieu. Jésus a dit, voici les commandements. Écoute, Israël, je suis l'Éternel ton Dieu. Un seul Dieu. Je le suis. Pourquoi attendez-vous à un autre? Un autre viendra point. Je viens au nom de mon Père. Et vous ne me recevez pas. Mais un autre viendra à son propre nom. Et lui, vous le recevrez. Et ils l'ont fait à Nicée. Ils ont chassé le bon évangile à Nicée. À Nicée, ils ont pris la décision de la chair humaine pour changer l'évangile. Écoutez bientôt, je vais terminer. Soyez prêts, bien-aimés. Êtes-vous fatigués? Non. Êtes-vous chrétien? Amen. Je suis baptiste. Êtes-vous chrétien? Je suis pentecôtiste. Êtes-vous chrétien? Je suis catholique. Êtes-vous chrétien? Je suis méthodiste. Un autre nom. Alléluia. Mais pour ce qui est de ce nom de Jésus-Christ, ils en sont éloignés le plus possible. Ils ne veulent rien avoir avec le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lui, car il est la parole, c'est Jésus-là qu'on a crucifié, c'est Jésus-là qui a été ressuscité, c'est Jésus-là qui est revenu, il est arrivé même à organiser la Sainte Cène, le dernier repas qu'il a eu avec ses disciples, avant de monter dans la gloire, c'est Jésus-là qu'on a mis, qu'on a vu, parler, manger, il a encore guéri. Frère, continue. Il est la parole. La parole se manifeste elle-même. Remarquez, la seule issue, il est la rose de Sharon. La Bible le dit. Tous les titres dans la Bible de Dieu appartiennent à Jésus-Christ. Amen. 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 Tous les titres dans la Bible, toutes les attributs se rapportent au Seigneur. Amen. Est-ce que vous pouvez applaudir? Gloire à Jésus. Tous les titres dans la Bible de Dieu appartiennent à Jésus-Christ. Il était l'Alpha, l'Oméga, le commencement, la fin, celui qui était, celui qui est. Amen. Et qui vient. Amen. La racine. Amen. Et la postérité de David. Amen. À la fois la racine et la postérité de David. Amen. L'étoile du matin. Amen. La rose de Sharon. Amen. L'hélice de la vallée. Amen. L'Alpha. Amen. L'Oméga. Amen. Le Père. Amen. Le Fils. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. Tout cela en Jésus-Christ lui-même. Qui a été fait chair pour habiter parmi nous. Amen. Voilà exactement ce qu'il était. Amen. Vous le croyez? Amen. Vous le croyez? Amen. Alléluia. Amen. Dans 4
Il est le Lys de la vallée. Il a été écrasé au calvaire. Il a été blessé pour nos transgressions. C'est par ses blessures que nous avons été guéris. Amen. Croyez-vous? Amen. Croyez-vous à cela? Amen. Dans cet écrasement de fleurs, il était une fleur. Il était la fleur la plus admirable qui ait jamais poussé. C'est Lys de la vallée. C'est cette admirable rose de Saron. Oh, il est là ce soir. Cet après-midi, il est ici. Amen. Il est ici avec vous. Amen. Il est suspendu entre le ciel et la terre. Amen. Il est suspendu entre le ciel et la terre. Amen. Il est dans votre cœur. Il vous parle maintenant. Amen. Prenez position pour le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il y a encore ceci. C'est ce que vous croyez. Ou plutôt, à ce moment-là, il a été pour ôter les péchés du mort à vous, pour ramener la guérison aux morts et les péchés du mort. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mon ami, quand Dieu a dit à Moïse dans le désert, c'était un type qui le représentait, lui, d'élever un serpent de reins. Un serpent de reins, c'est celui qui est venu pour enlever les péchés. Été pardonné. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le serpent des reins. Aujourd'hui, c'est par le sang de Jésus que tous nos péchés sont effacés. Supportez-moi une minute. Alléluia. Amen. Les reins représentent les péchés jugés. Les serpents représentent les serpents des reins, représentent les péchés déjà jugés. Et les reins, c'est les jugements divins. Par exemple, l'autel des reins où on déposait les sacrifices. Il y a aussi Élie qui a levé les yeux et qui a dit que les cieux étaient comme des reins. Le jugement divin sur une nation incrédule qui s'était éloignée de Dieu. Les reins représentent le jugement. Écoutez bien. Les reins représentent le jugement. Le jugement divin. Et les serpents représentaient les péchés déjà jugés. Mm-hmm. Et Jésus est
partie du corps qui est malade, il va toucher à la voix de la maladie pendant que nous allons prier. Touchez la partie de votre maladie. Touchez la partie du corps qui vous fait mal. Si vous avez une requête, répétez cela dans votre cœur pendant que nous allons prier. Si vous avez un besoin, dites cela au Seigneur pendant que je vais prier. Amen. Et chaque individu va mourir à la mort, au monde, au chaud du monde.
dans le cœur. Pas l'amour de l'argent, pas l'amour du monde, mais l'amour du Père, l'amour de Dieu, de soutenir ton œuvre, de venir fondement, de suffire, donner quelque chose, comme notre bien-aimé qui a offert cet équipement d'église, il a sorti de son argent, il a donné, il a acheté pour l'église, il n'a pas raisonné, il n'a pas réfléchi, il a regardé sa main pour son Seigneur. Bien-aimé frère et soeur, je vous recommande à donner à Dieu sans être calqué, sans passer à vos contrats, donner à Dieu les bénédictions de Dieu. Merci Seigneur, nous avons vu ta parole.